Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Mais faites, qui est pour vous François Gabart? Voici non pas un micro-trottoir, trop gentil pour l'invité, voici un micro trop trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé. François Gabart, c'est un navigateur solitaire, ingénieur de formation, INSA, GMD. Beau mec. Il a gagné la route du Rhum l'année dernière. Quelqu'un a dit, il y a les vivants, il y a les morts, et il y a ceux qui sont en mer. Je suis poète. Et blond, et cheveux coiffés peut-être sur le côté. Plutôt beau gosse même. C'est un passionné, mais en plus il fait marcher sa matière grise. Ça explique sans doute ses résultats. François Gabart, dans quoi il a joué? Ah, Saint-Marin d'eau douce ou quoi? Il a battu le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, c'est ça? C'est lui? Oh ben écoutez, il est courageux déjà pour faire ce qu'il a fait. Moi la mer, l'eau, j'en ai peur, alors pensez donc. Voilà. L'eau. Alors l'eau, cette dame en a peur, mais bon, elle n'est pas marin comme vous. Vous, François Gabart, vous n'en avez pas peur, mais en préparant cette émission, j'ai découvert que vous n'étiez pas fan non plus de l'eau. En fait, vous n'aimez pas nager. Non, je suis pas un grand fan. En fait, je suis pas aquatique. En fait, alors ça m'attire en même temps. Alors je fais du bateau évidemment. Je fais pas mal même de surf, des activités nautiques. Mais c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise dans l'eau. Comme il y a certains, c'est vraiment leur élément et c'est fluide et tout. Moi, c'est pas quelque chose qui est super naturel. Mais et en même temps, ça m'attire, ça me fascine. Mais voilà, c'est pas là où je suis le meilleur.